Donc je me présente, Jean-Luc François, directeur artistique de la maison de prêt-à-porter Jean-Luc François à Paris. Je suis expert pour l'Institut National des Métiers d'Art, pour les relations internationales, tout ce qui est éducation, solidarité, formation auprès des métiers de la mode et métiers d'art. Et je suis chargé de mission pour le Conseil régional d'Île-de-France sur tous les pays en coopération, sur les métiers d'art, les métiers de la mode. C'est pour ça que je suis présent ce soir à Aulnay. Merci. Comment avez-vous connu cette association à Aulnay-sous-Bois ? Alors, à Aulnay-sous-Bois, parce que depuis un an et demi, avec le fonds de dotation Jean-Luc François, on soutient des jeunes femmes autour des métiers d'art, des métiers de la mode. Et nous faisons des actions avec la mairie d'Aulnay autour des métiers d'art et des métiers de la mode. C'est pour ça que j'ai connu cette association. Et nous avons à Paris des élèves aussi qui viennent d'Aulnay. La semaine de la femme est passée récemment. On peut peut-être faire un rapproché par rapport à ce défilé. Qu'en pensez-vous ? La journée de la femme, pour nous, c'est extrêmement important, puisque je fais partie de la fédération de Femmes 3000, qui est une fédération internationale. Et donc, on soutient les femmes et on suit les femmes sur leurs actions, que ce soit à Aulnay ou à l'autre bout du monde. D'accord. Merci. Merci.